Et Yomina, j'espère que vous allez bien, c'est Maître Drian. Comme vous le savez, j'ai le code créateur. Le code créateur MasterDridri. Si vous voulez me soutenir, il suffira de le taper dans la boutique de Fortnite et d'acheter donc des items de la boutique via des V-Bucks que vous avez gagnés ou que vous avez acheté vous-même. Si vous voulez bien sûr encore plus me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Allez, ciao ciao Mina. Et yo Mina, j'espère que vous allez bien. C'est Maître Drian, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons jouer Spider-Gwen. Alors, je voulais vous montrer déjà l'apparence du skin. Hein. Elle est magnifique. Hein. Rien n'a changé hein, en termes de la Gwen, Spider-Gwen que j'avais utilisée avec le masque. En termes d'accessoires, il n'y a rien qui a réellement changé. Mais j'avais envie de vous, quand même de vous le montrer. Donc après on a le sac à dos de pendant ce temps là, la spider classe claire, la spider parachute, les particules de portail, les mêmes émotes. L'émote qui est stylée, l'arachnocrobatie, salto de Spider-Man. Et je l'ai pas rajouté, je me suis trompé, l'écran chargement que l'on obtient quand on débloque cette Spider-Gwen. Qui est celui-là, un bond en pleine action. Regardez-moi ça, magnifique, avec le skin de l'ours, que je ne vous ai pas encore fait de vidéo dessus, mais ça viendra. Mais regardez comme elle est juste magnifique, franchement rien à dire. Bon, et ben, on va se lancer une petite game avec Spider-Gwen, et on va voir comment ça va se dérouler, let's go. Ok. Eh ben, je pense que... On va aller... Est-ce qu'on va encore toujours au désert? Parce que j'aime bien commencer par le désert, moi. Moi, c'est toujours mon petit kiff de commencer par le désert. Donc, je pense que c'est ce qu'on va faire. Ah, derrière, j'ai entendu quelqu'un qui a utilisé son planeur. On utilise la méthode pour aller le plus vite de l'autre côté. Hein. On spamme la touche espace ou croix ou A. Comme ça. Et vous voyez qu'on avance sans vraiment descendre. Cette méthode est juste OP. Hein. Bon. Je pense que 99% d'entre vous la connaissent déjà, moins que ceux qui n'ont pas joué. Moi, je l'ai connu quand j'ai commencé à jouer, et c'est vrai que cette méthode est ultra cool pour commencer. Franchement. Ouais, on va commencer à atterrir ici, histoire d'avoir un peu de fer. Oh, un tonneau! Mais c'est tellement OP! On commence par un tonneau. Ouais, là, il y a un petit pistolet. J'aime pas le pistolet. Asperger, Asperger. On peut descendre comme ça? On pourrait descendre, mais est-ce que c'est risqué? Est-ce que je prendrais des dégâts de chute si je descendrais comme ça? Je sais pas. On prend pas de risque. Oh, pas mal. Par contre, soigner. C'était pas le but que tu casses tout comme ça. Eh, par contre, j'ai du shield. Oh, sa mère que j'ai du shield. Oh, il y en a qui vont virer. Oh, je vais virer. Voilà. Parce que j'ai encore les aspergeurs. C'est abusé. On va monter là-haut. Oh, meilleur, meilleur, meilleur. Donc ça, ça dégage. Donc, allez, une bonne arme. Et comme ça. Oh, ça se fight. Ça se fight. Ça, ce fight, c'est intéressant. C'est parti où? Merde, je l'ai pas vu.
Je ne l'ai point vu. Il est en train de tout casser, le mec, il est en mode je m'en bats les couilles, je casse tout. Il est où? Oh! Salut toi! Ah, j'en ai vu un là-bas au fond. Toi, je t'ai vu! T'es là, putain. Mais non! Ah, mais ta mère! Ah, c'est bon, ça m'a cassé les nounouilles. Les pétélionf, voilà. Non mais il est mort. Soigné. Franchement on va te faire soigner hein. Ah il vit sur le... Il tape le loup. Oh mais laisse le loup tranquille. T'as rien fait. Regarde. Voilà. Regarde il est avec nous. On a une clé. Autant faire notre routine habituelle de récupérer des armes OP. Voilà. Le soin. Je suis pas trompé, non c'est bon. Oh une mitraillette en, à la place du pompe. On prend toutes les munitions. On ouvre le coffre qui est rare juste ici. Et puis ben let's go. Ah ouais non mais par contre bah j'espère que je me ferai pas défoncer par la musique. Au pire, j'ai juste à parler dessus. Ça devrait passer. Il y a quelqu'un qui sait il ici, non? Oh, il y a quelqu'un qui est là. Nickel. Je dis ça, mais il est pas encore mort. Ah, mais il résiste! Oh là là! Laisse-toi tuer! Voilà, et puis toi meurs. Fais pas de bruit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? On met un petit muret. Soit un plus. Juste regarder voir s'il y a quelqu'un qui est là. Non, il y a l'air d'avoir personne. Oh, s'il y a quelqu'un. Est-ce que je peux le toucher? Allez, bim. Un troisième yonf. Oh non! Oh non! Oh non! Pas drôle! Ah, laissez-moi vous toucher là! Oh toi je peux te le mettre! Oh toi je peux te la mettre! Vas-y, vas-y! Vas-y, je peux te la mettre! À force de se faire défoncer par moi, ça va devenir une passoire. Il va y avoir plein de trous. Je sais pas où il est. Il a fait mal sa mère. Il a fait mal sa mère. Non, je vais pas mettre de toi. Je vais me forcer à me soigner. Donc voilà. Lui là-bas il construit. Ce que je peux faire, c'est d'attendre qu'il sorte sa petite tête pour tenter de le toucher. Mais il est en hauteur donc ça va être un petit peu chaud pour moi. Oh non, le loup il s'est mis devant, ta mère! Ta mère, le loup! Regardez, il est en train d'attendre pour essayer de me tirer dessus. Il attend là-bas, le petit con! Est-ce qu'il y a moyen que j'y en mette une de balle? Est-ce qu'il y a moyen que j'y mette une balle? Oh! J'aurais été plus réactif, c'était bon, il se la prenait dans la gueule. Il se la prenait dans la gueule.
Il y en a, ils construisent 8, hein. J'essaye de m'entraîner aussi. Et je vais pas la gagner cette game, je construis pas aussi bien qu'eux, bordel. J'ai clairement pas du tout l'avantage pour gagner. Mais le loup, ta mère qu'elle soit, le loup, par contre. Dommage qu'on peut pas les dissocier, les loups. Les animaux, les animaux sauvages. Leur dire, ah bah je veux plus de toi. Ouah, ça va être tendu, je vais pas gagner. Comment veux-tu que je gagne contre ça, moi? Regardez, ils sont tous là-haut, mais en plus ils me tirent dessus. Eh, dégage-toi. Ouah, le bordel. Ouah, je me taille, moi, je vais essayer de me mettre une constru. Oh putain, je peux pas ici. Mais veux-tu comment que je puisse une constru, frérot? J'ai mis à toi, non. Putain, comment je vais faire? Ah! Espèce de connard! Voilà, laisse-moi mettre du désodorisant. Ah, ils se sont fight entre eux. Il est en dessous, si je peux le faire tomber. Oh, j'ai fait tomber les armes. Oh, j'ai fait tomber les armes, sa mère. Je l'ai fait tomber. Ta mère. Je crois que c'est un carnage en plus, Dans les deux cas, il me fait un carnage. Non, c'est pas un carnage, c'est un Spider-Man. Ou un Deadpool. Je sais, putain, je suis en plein fight, je suis en train de stresser, je sais pas qui j'affronte. Mais ça me fait chier de pas savoir à quoi il ressemble. Mais montre ta gueule. Enculé, là. Il est là. On va se mettre ici. Derrière les rochers. Oh putain, il est au-dessus de moi. Oh l'enfoiré. Oui, il est là. Allez. Il y a moyen. Il construit putain de bien. Si je le nique. Oh, c'est la satisfaction de ouf. Oh, si je te nique, frérot. Oh, je jouais dans mon pantalon. Oui, j'ai pété tout son shield. C'est un carnage. T'es mort. Oui. Oh oui. Oh, ça fait plaisir. Mais ils construisaient trop bien. Ah, moi j'arrive pas à faire autant bien que ça, hein. Faut vraiment que je m'entraîne. Ah, le fight final, il était trop bien. J'ai kiffé.